Good evening, everyone. Que Dieu vous bénisse. May God bless you all. Pour votre fidélité. For your faithfulness. Et surtout pour votre soif de pouvoir non seulement apprendre de la part du Seigneur, mais aussi sonder les Écritures. And also for your thirst to not only learn from the Lord, but study the Scriptures. Et c'est ça, en fait, le but de l'étude biblique. And this is the goal of Bible study. Et nous disponibilisons chaque mercredi pour pouvoir avoir l'opportunité de plonger nos regards dans les Écritures. And so we make ourselves available every Wednesday to be able to look into the Scriptures. Et d'aller en profondeur. And to go into deep, into the depths. Parce que nous voulons que notre foi soit solidement bâtie et fondée sur la vérité des Écritures. Because we want our faith to be built firmly upon the Scriptures. Seigneur, nous te disons merci pour ce mercredi. Lord, we say thank you for this Wednesday. Que tu nous donnes pour pouvoir étudier ta parole. That you give us to study your word. Parce que c'est ta volonté, Seigneur, pour que nous puissions te connaître. Because it is your will for us to know you. Et aussi, Seigneur, être édifié dans notre très sainte foi. And to be edified in our holy faith. À travers ta parole. Through your scripture, through your word. Saint-Esprit de Dieu. Holy Spirit of God. Toi qui nous enseignes et qui nous conduis dans toute la vérité. You that teaches us and leads us into truth. Aide-nous à comprendre et à saisir cette portion des Écritures que nous allons étudier ce soir. Help us to understand this part of the scripture that we will study this evening. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. In the name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. La portion que nous allons étudier ce soir. So the part of the scripture we will study this evening. Ça sera juste une petite portion. Will be a small part. Qui nous parle de Jésus-Christ chez Pierre. Speak to us about Jesus Christ. And Peter's home. Jésus-Christ chez Pierre. Jesus Christ and Peter's home. Vous voyez, Jésus-Christ dans son ministère pendant les 3 années sur terre. You know, Jesus Christ during his ministry is 3 years on earth. Il a rencontré la foule. He met the crowd. Il a rencontré différentes personnalités. He met different personalities. Il est allé dans la maison de plusieurs personnes. He went into the house of many people. Il y avait d'ailleurs des moments où Jésus-Christ passait du temps dans une famille qu'il aimait beaucoup, la famille de Lazare. There was even some time when Jesus spent time with a family he loved very much, the family of Lazarus. Mais très rarement. But rarely. Nous voyons Jésus-Christ s'inviter ou être invité dans une des familles de ses disciples. We see Jesus Christ being invited or coming over to one of the family of his disciples. Jésus-Christ avait plusieurs disciples. Jesus Christ had many disciples. Et précisément 12. Specifically 12. Évidemment, il y avait aussi, à part les 12, il y avait les 70, les 70. And beside those 12, there's also 70 others. Mais parmi vraiment ceux-là qu'il avait choisi pour qu'ils puissent être avec lui et les établir plus tard apôtres. But for those that he had chosen to be with him and to later establish them as apostles. Ils étaient au nombre de 12. There were 12. Évidemment, on sait très bien qu'il y avait des femmes aussi qui l'accompagnaient. We know that there were also women going with him. Mais très rarement, il s'est retrouvé dans la famille d'un de ses disciples. But rarely he went to the family of one of his disciples. La Bible du moins ne mentionne pas beaucoup. Or at least it's not said much in the Bible. Et donc ce soir nous allons voir Jésus-Christ dans la famille de Pierre, chez Pierre. So this evening we see Jesus Christ in the family of Peter. Alors la Bible dit ceci au verset 14 et 15. The Bible says this in verse 14 and 15 of chapter 8. Ce sont
sont les deux versets que nous allons voir ce soir et essayer d'étudier et d'analyser ce soir. These are the two verses that we'll see this evening and try to study and analyze. La Bible dit, et lorsque Jésus-Christ arriva à la maison de Pierre, il vit sa belle-mère couchée et elle avait de la fièvre. Et il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle s'éleva et elle servit. And when Jesus was coming to Peter's house, he saw his wife's mother laid and sick of a fever. And he touched her hand and the fever left her. And she arose and ministered unto them. Alors, je ne sais pas quelle était la circonstance qui avait fait que Jésus-Christ, avec les disciples qui l'accompagnaient, puisse se retrouver chez Pierre. So I don't know the circumstance that came about so that Jesus Christ could be with the disciples at Peter's home. La maison dont on parle ici, c'est la maison de Pierre. But the house we are speaking here of is the house of Peter. Pierre avait une maison. Peter had a house. Et donc Pierre avait une famille. And so Peter had a family. Bien aimé, parfois lorsque nous voyons les disciples de Jésus-Christ, nous pensons que c'était des gens complètement isolés, déconnectés de leur famille. Sometimes, my beloved, when we see the disciples of Jesus, we think they were completely disconnected from their family. Les disciples de Jésus-Christ étaient des personnes normales. But the disciples of Jesus Christ were normal people. Qui avaient aussi une famille comme tout le monde. That also had a family just like everyone else. Et donc, c'était des personnes qui avaient aussi des responsabilités à part s'occuper des affaires du royaume. Ils avaient aussi la famille. And so they had responsibility beside the kingdom of God, like their family. Et donc ici nous voyons Jésus-Christ aller dans la maison de Pierre, dans sa famille. And so here we see Jesus Christ going into the home of Peter. Et comme je le disais, on ne sait pas quelle était la circonstance. Est-ce que Pierre avait invité Jésus-Christ de venir chez lui? And like I said, we don't know the circumstances. Did Peter invite Jesus Christ to come over? Est-ce que Pierre était tellement inquiet pour sa belle-mère au point que il s'est dit, je dois vraiment trouver le moyen d'inviter Jésus-Christ chez moi pour qu'il fasse quelque chose? Was Peter so worried about his stepmother help that he had to invite Jesus so that he could do something? The mother-in-law. Mother-in-law's help that he had to invite Jesus over. Oui, Jésus-Christ avait une belle-mère. Jesus Christ had a mother-in-law. Ça veut dire qu'il avait une femme et donc ici c'est la maman de sa femme. That means that Peter had a wife and so it was the mother of his wife. Donc la maman de sa femme habitait dans la même maison que Pierre. In other words, the mother of the wife of Peter was living in the same house as Peter and his wife. Donc on sait très bien que Pierre était marié. So we know that Peter was married. Pierre était marié. Peter was married. Et je pense que Paul va même faire référence aux disciples qui étaient dans une relation de mariage. And I think that Paul would even quote the disciples that were married. Alors que lui, il avait un statut un peu particulier en tant qu'apôtre, il n'avait pas une femme avec lui. And while he had a special title on the apostle, he did not have a woman. Et donc, Paul, qui était appelé par Dieu au célibat, c'est-à-dire à servir Dieu dans ces statuts-là. And so Paul, that had been called by God to remain single, to remain in that status. À un moment donné, dans une de ses lettres, il va faire mention de ce que lui, il pouvait aussi faire comme les autres apôtres qui avaient le statut de marié, c'est-à-dire qui avaient une famille. At some point in his letter, he referenced what he could do, the same thing as the others that were married, the apostles. Et donc aux uns, voilà, il va faire comprendre à l'Église que certains, même s'ils sont des apôtres, même s'ils sont des ministres de Dieu, certains sont appelés au célibat, ils ont reçu cette grâce, d'autres sont appelés à se marier.
And so you make understand that some of the those that been called by God, some are to remain single and others are called to be married. Et donc parmi les disciples de Jésus-Christ, il y avait ceux qui étaient mariés. So among the disciples of Jesus Christ, there were those that were married. Et donc ici nous voyons Pierre était marié. And so here we see Peter was married. Parce qu'on fait référence à sa belle-mère. Because we speak of his mother-in-law. Et donc la situation de sa belle-mère était devenue préoccupante, du moins pour Pierre. And so the situation of his mother-in-law had become worrying for Peter. Et donc il se peut qu'il ait invité Jésus-Christ de venir chez lui pour cette situation, ou peut-être que Jésus-Christ, sachant en tant que fils de Dieu la situation qui se passait dans la famille de Pierre. And so maybe he invited Jesus Christ because of this situation, or either Jesus Christ, being the Son of God, knew about it and came anyway. Donc il s'est invité lui-même. And so he came over by himself. Et donc, la Bible ne donne pas les circonstances qui ont fait que Jésus-Christ se retrouve à la maison de Pierre. Anyway, the Bible doesn't tell us the circumstances for why Jesus Christ was at Peter's home. Une chose est vraie, lorsque Jésus-Christ est arrivé à la maison de Pierre, but one thing we know is that when Jesus Christ arrived at Peter's home, il a constaté que la belle-mère était dans un état pas très bien. He observed that Peter's mother-in-law was in a sorry state. Vous voyez, c'était une fièvre assez sérieuse. She had a great fever. Vous voyez, elle ne pouvait rien faire. She could not do anything. Du coup, elle était couchée. And so she was laid down. Je ne sais pas, peut-être toi et moi, parfois on peut avoir la fièvre et continuer à vaquer à nos occupations ou encore à faire nos activités habituelles. You know, you and I, we could have a fever, but we could still keep doing our daily activities. Mais cette fièvre était une fièvre assez particulière parce que elle avait complètement, je dirais, paralysé ou encore rendu la belle-mère de Pierre inactive. That fever was a special one because the mother-in-law of Peter was completely inactive. She could not move. Alors, je ne sais pas si la belle-mère de Pierre connaissait Jésus. I don't know if Peter's mother-in-law knew Jesus. Je suis sûr et certain qu'elle connaissait Jésus. Well, I'm sure she knew Jesus. Du moins, elle a entendu parler de Jésus. Or surely she heard of him. Parce que son beau fils Pierre était dans sa maison et imaginez à la fin de la journée, Pierre rentrait à la maison, il devait normalement raconter ce qui s'est passé avec Jésus-Christ là où ils étaient. Because her son-in-law Peter was one of the disciples of Jesus, and so when he came home, I'm sure he should talk about what happened that day with Jesus. Même si Pierre peut-être qu'il n'était pas toujours à la maison 24 heures sur 24, encore moins 7 jours sur 7. Mais du moins, lorsqu'il revenait, je pense qu'il partageait les nouvelles de ce qui s'est passé dans sa mission avec Jésus-Christ ou aux côtés de Jésus-Christ. Even if Peter was not necessarily always back home, I'm sure that the time he did, he would tell about what happened with Jesus Christ in those days. Et donc, la belle-mère, certainement, elle a entendu parler du Messie, de Jésus-Christ, ce roi des Juifs. And so I'm sure this mother-in-law heard about Jesus Christ, the King of the Jews. C'est lui qui enseignait comme personne, c'est lui qui parlait comme personne parmi les scribes et les pharisiens. He that spoke and taught like no one else among the scribes and Pharisees. C'est lui qui guérissait, c'est lui qui délivrait les possédés, c'est lui qui ressuscitait les morts. He that healed, delivered the possessed and resurrected the dead. Et je suis sûr et certain que la belle-mère de Pierre était impatiente un jour de rencontrer ce Jésus-Christ-là. And I'm sure the mother-in-law of Peter could not wait to meet this Jesus Christ. Au fait, je pense que toute la famille était impatiente de pouvoir voir Jésus-Christ qui avait complètement changé la vie de Pierre, qui était papa, qui était époux, qui était beau-fils. I'm sure the entire family wanted to meet this Jesus who changed completely the life of Peter. Yeah, her husband, her father. Vous comprenez ça? Do you understand this? Voilà l'opportunité, Jésus-Christ va venir chez Pierre. And so here is the opportunity for Jesus to come to Peter's home. Et j'aime bien lorsque Jésus-Christ arrive chez Pierre. And I like when Jesus Christ arrives at Peter's home. La Bible dit qu'il a vu sa belle-mère.
The Bible says he saw the mother-in-law coucher, laid down. Pourquoi elle était couchée? Pourquoi elle était inactive? Pourquoi est-ce que elle était complètement clouée au lit? Why was she laid down, completely stuck in bed? La Bible nous dit qu'elle avait la fièvre. The Bible says she had a great fever. Et la Bible dit, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il va voir la belle-mère couchée, complètement inactive, incapable de faire quoi que ce soit? And what does the Bible tell us Jesus did when he saw the mother-in-law laid down? Il est allé toucher la main de la belle-mère de Pierre. He went and touched her hand. J'aime Jésus. I love Jesus. Parce que depuis que nous voyons Jésus-Christ faire des grandes choses, que ce soit avec les lépreux, que ce soit avec le serviteur du centenier, et maintenant avec la belle-mère de Pierre. Because from the moment we saw Jesus doing great things, whether it be with the leper, the centurion's servant, or the mother-in-law, Jésus-Christ ne va pas faire la même chose à ces trois individus. Jesus Christ will never do the same thing to those three people. Vous constatez que avec les lépreux, Jésus-Christ va les guérir ou les purifier d'une manière qui sera différente du serviteur du centenier. You see that Jesus Christ will heal and purify the leper in a different way that he healed the servant of the centurion. Pour les lépreux, il va dire seulement une parole de guérison, une parole qui va complètement rendre pur, net ces lépreux. For the leper, he will say a word of healing that will completely cleanse this leper. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, pour apporter la guérison dans la vie d'une personne. You know, my beloved, to bring healing into the life of someone, on n'a pas nécessairement besoin de pouvoir imposer les mains. You don't necessarily need to lay hands. Vous pouvez juste déclarer une parole. You can just declare a word. Une parole de foi. A word of faith. Une parole de guérison. A word of healing. Et dans le cas du lépreux, c'était une parole de purification. Il va seulement lui dire, sois pur. And in the case of the leper, it was a word of cleansing. You say, be clean. Oui. Et pour le centenier, il va seulement, le serviteur du centenier, il va seulement honorer la foi de ce centenier, comme ce centenier avait jugé que Jésus-Christ n'était pas digne de venir chez lui. And for the centurion, you just honor the faith of said centurion, because said centurion had decided that he was not worthy for Jesus to come to his home. Et comme Jésus-Christ était étonné de cette grande foi de la part du centenier, et la Bible nous déclare que au même moment, ok, son serviteur était guéri. And just because Jesus Christ was bewildered by the faith of this centurion, it is said that at the same time, his servant was healed. Vous voyez, Jésus-Christ n'a pas eu besoin de dire un mot ou de faire quoi que ce soit comme acte, geste. Jesus Christ didn't need to do anything without saying a word of doing an act. Pour que le serviteur soit guéri. For the servant to be healed. Mais juste le fait que la foi de ces centeniers soit libérée et puisse étonner Jésus-Christ, cette foi a déclenché la guérison du serviteur. But just the fact that the faith of the centurion could bewilder Jesus, said faith healed the servant. Ouais, les centurions, les serviteurs du centenier, peut-être que ils ne savaient même pas ce qui se passait. Maybe the servant of the centurion didn't even know what happened. Ce n'est pas la foi du serviteur du centenier qui l'a guéri. It's not the faith of the servant of the centurion that healed him. Mais c'est cette foi exceptionnelle du centenier qui a fait que son serviteur soit guéri. But it's the exceptional faith of the centurion that made his servant heal. Et puisqu'il a libéré sa foi exceptionnelle qui va étonner Jésus-Christ, cela a amené la guérison à se manifester au même moment qu'il a libéré cette foi dans la vie de son serviteur. And because the centurion will deliver his extraordinary faith unto Jesus that will reveal them,
Such is how the centurion servant was healed. Certains d'entre nous, pour que nous puissions expérimenter la guérison, que ce soit de nous-mêmes ou de personnes autour de nous, nous devons apprendre à pouvoir étonner Jésus-Christ. Some of us, so that we can experience healing, whether for us or for people around us, we need to be able to bewilder Jesus Christ. Et comment est-ce que nous pouvons étonner Jésus-Christ? C'est lorsque nous libérons cette foi qui se soumet, cette foi qui est prête à obéir à Jésus. And how do we bewilder Jesus Christ? It is when we release a faith that can bewilder him. Alors, ici, nous voyons Jésus-Christ. La Bible ne nous dit pas si la belle-mère de Pierre avait la foi ou pas. So here we see Jesus Christ, and the Bible doesn't tell us if Peter's mother-in-law had faith or not. La Bible ne nous donne pas non plus de détails si la belle-mère de Pierre avait demandé à Jésus-Christ de faire quelque chose. The Bible doesn't tell us either if Peter's mother-in-law had asked for Jesus to do something. Mais la Bible nous dit seulement que Jésus-Christ, lorsqu'il a vu, la belle-mère, il a fait quoi? Il a touché la main. But what the Bible does tells us is that when Jesus Christ saw the mother-in-law, he touched her hand. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre que Dieu voit. My beloved in the Lord, I want us to understand that God sees. Dieu voit. God sees. Jésus-Christ te voit. Jesus Christ sees you. Parfois, lorsque nous passons par des situations comme la belle-mère de Pierre, on se pose toujours des questions. Est-ce que vraiment Dieu nous connaît? Est-ce que vraiment Dieu nous voit? Sometimes when we go through situations like Peter's mother-in-law, we ask ourselves, does God really know us? Does God really see us? J'aimerais te dire, toi qui crois en Jésus, toi qui mets ta confiance en Jésus, Jésus-Christ te voit. And I want to tell you that you that believes in Jesus and put your trust in Him, He sees you. Il voit la condition dans laquelle tu te trouves. He sees the condition in which you are. Ouais, les hommes peuvent voir notre condition. People can see our condition. Parfois même nos amis peuvent voir notre situation et condition. Sometimes even our friends can see our situation and condition. Nos familles peuvent voir et constater notre situation et condition. Our family can see and observe our condition, our situation. Et en même temps, être incapable de pouvoir faire quoi que ce soit pour nous. And at the same time, being unable to do anything for us. Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu qui voit. But I want to tell you one thing. God that sees. Au-delà des apparences. Beyond appearances. Celui qui voit là où les hommes ne peuvent pas voir. The one that sees where men cannot see. C'est Dieu là ses soucis. This God cares. C'est Dieu là ses soucis. This God cares. Et pour montrer combien Jésus-Christ se souciait pour la belle-mère de Pierre. And just to show you how much Jesus Christ cared for Peter's mother-in-law. La Bible ne dit pas que Jésus-Christ a déclaré ou a parlé. The Bible doesn't say that Jesus Christ declared or said a word. La Bible dit ceci que Jésus-Christ va toucher sa main. The Bible said that Jesus Christ will touch her hand. Et vous voyez, Jésus-Christ ne va pas dire une parole comme il a dit à ses lépreux. And Jesus Christ will not say a word like he said for the leper. Jésus-Christ ne va pas attendre à ce que cette femme démontre sa grande foi comme les centeniers. Jesus Christ will not wait for that woman to show a great faith just like the centurion. Mais c'est Jésus-Christ qui va s'approcher d'elle et la toucher. But Jesus Christ will come to her and touch her. Il était déterminé à faire quelque chose pour elle. He was determined to do something for her. Vous voyez, Jésus-Christ, Dieu fait parfois des choses dans notre vie indépendamment de notre état spirituel ou encore de notre initiative. Sometimes God does things in our life not caring for our spiritual state or our initiative. Vous voyez, cette femme n'a pas eu à prouver qu'elle avait une grande foi comme la foi du centenier pour recevoir la guérison.
Unlike the centurion, this woman did not have to prove her great faith to receive healing. Cette femme n'a pas eu à venir vers Jésus-Christ comme c'est le prêt et lui demander de le guérir, de la guérir. Unlike the leper, she did not need to come to Jesus Christ to ask for healing. Mais c'est Jésus-Christ qui est venu vers elle. But Jesus Christ himself came to her. Il est arrivé jusqu'à la maison de Pierre où était couchée la belle-mère de Pierre. He went to Peter's home where she lay down. Et il ne s'est pas arrêté seulement à rentrer dans la maison, mais il s'est approché jusqu'au côté, au chevet de cette femme qui était couchée pour la tenir, tenir sa main. And he did not just stop at the house, he went as far as the side of this woman and touched her hand. Vous voyez, lorsque vous touchez une personne, c'est une marque d'affection. You know, when you touch someone, it is a show of affection. Et vous montrez à cette personne que vous vous souciez d'elle, que vous avez son intérêt à cœur. And you show that person that you care for her, for them, that you have your their best wish in your heart. Et la Bible dit, juste par cette geste, par ce geste-là de toucher la main de Pierre, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit au verset 15, la fièvre la quitta. And the Bible says in verse 15 that just by touching her, her fever went away. Vous voyez, parfois, nous, parfois, on essaye, lorsqu'on veut apporter la guérison, ou prier pour la guérison de quelqu'un, on commence à crier, à faire des prières, à commencer à transpirer, à faire des déclarations. You know, us, when we want someone's healing, we start to shout, we start to sweat, we start to make declarations. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons la compassion pour une âme. But my beloved, when we have compassion for a soul. Bien aimé, c'est vraiment une très grande porte ouverte pour que la puissance de Dieu soit libérée. Then a really great door is open so that the power of God can be released. Vous voyez, Jésus-Christ, il a vu cette femme couchée et immobilisée par la fièvre, il a eu compassion. Jesus Christ saw this woman laid down, paralyzed by her fever, and he had compassion. Et la compassion que Jésus-Christ avait pour la belle-mère de Pierre va l'amener jusqu'à son chevet et la tenir par la main. And the compassion he had for Peter's mother-in-law would bring him to her side and touch her hand. Et Jésus-Christ ne va pas faire de déclaration, il ne va pas attendre parce que cette femme puisse ouvrir sa bouche et démontrer sa foi. And Jesus Christ will not make declaration and wait for this woman to show her faith. Juste le fait de la toucher, la Bible dit, la fièvre l'a quittée. Just by touching her, the Bible said that her fever went away. Lorsque Jésus-Christ te touche, when Jesus Christ touches you, la maladie part. Sickness goes away. L'infirmité s'enfuit. Illness goes away. Bien-aimé, nous sommes habitués à voir la maladie s'en aller, l'infirmité s'enfuir. Lorsque Jésus-Christ dit un mot, lorsque Jésus-Christ déclare, lorsque Jésus-Christ libère une parole. We are used to see sickness and illness go away when Jesus Christ releases a word. Mais j'aimerais te dire une chose. Lorsque Jésus-Christ te touche, le Fils de Dieu, l'infirmité est brisée et la maladie s'enfuit. But I want to tell you that when Jesus Christ, the Son of God, touches you, sickness and illness goes away, are broken and goes away. Et ça nous montre la puissance de la compassion. And this shows us the power of compassion. La compassion. Compassion. Peuple de Dieu. People of God. J'aimerais que nous puissions comprendre. I want us to understand. Pour que nous puissions voir la puissance de Dieu se manifester dans nos églises, dans nos vies, dans nos familles. So that we can see the power of God manifest in our lives, our church and our families. Oui, nous sommes habitués à entendre que la foi est nécessaire. We are used to hearing that faith is necessary. Mais j'aimerais nous faire comprendre qu'il y a aussi une autre chose qui est nécessaire. But I want us to understand something else is necessary. Pour que cette atmosphère des guérisons ou des manifestations de la puissance divine soit possible, nous devons avoir un cœur rempli de compassion.
For this atmosphere of healing and manifestation of the power, we need a heart of compassion. La compassion doit nous motiver à aller vers les gens qui sont dans la souffrance, vers les gens qui ont des problèmes, qui sont paralysés, qui sont immobilisés par les infirmités, les maladies. Compassion should make us go towards the people that are in suffering, that are paralyzed, that are having problems. C'est pas seulement la foi qui doit nous pousser à aller vers eux. Not just faith should make us go to them. Mais c'est surtout la compassion pour notre prochain. But especially compassion for our neighbor. La foi c'est envers Dieu. Faith is towards God. Mais la compassion c'est envers son prochain qui souffre. But compassion is towards your neighbor that is suffering. Église du Seigneur. Church of God. Parfois nous avons eu l'inverse se produire dans nos vies. Sometimes we have the reverse happen in our lives. Et dans nos services. And in our services. Parce que nous pensons que la foi c'est pour notre prochain. Because we think that faith is for our neighbor. Et que c'est Dieu qui doit avoir compassion d'eux. And that God should have compassion for them. Non, bien-aimé dans le Seigneur. But no, my beloved, no. Nous devons avoir la foi en Dieu. We need to have faith in God. La foi en Dieu qu'il est capable. Faith in God that he is able. Que tout est possible. That everything is possible. Mais envers notre prochain, nous devons avoir la compassion. But towards our neighbor, we should have compassion. C'est comme ça que l'atmosphère de guérison et des miracles s'établit. This is how the atmosphere of healing and miracles establishes itself. Non seulement lorsqu'il y a la foi en Dieu, when there is faith toward God, mais aussi lorsqu'il y a la compassion pour son prochain. And when there is compassion toward your neighbor. C'est ça la croix. This is the cross. C'est ça la croix. This is the cross. La relation verticale avec Dieu. The vertical relationship with God exige à ce que nous ayons la foi en Dieu. Ask of us to have faith in God. Mais la relation horizontale, but the horizontal relationship exige à ce que nous puissions manifester la compassion envers notre prochain. Ask us to show compassion towards our neighbors. Et c'est comme ça que Jésus-Christ opérait. And this is how Jesus Christ operated. Il avait confiance en son Père. He trusted his father. Il avait confiance en son Père. He trusted his father. Voilà pourquoi il pouvait dire, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. That's why he could say, I thank you for you always answer me. Et donc Jésus-Christ savait que son Père a été avec lui et était toujours disponible pour intervenir et agir. Jesus Christ knew that his father was always with him, always ready to intervene when necessary. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus-Christ était ému de compassion avant de voir le miracle, avant de voir la puissance de Dieu se manifester. But the Bible also tells that Jesus Christ was full of compassion before seeing miracles happen. Jésus-Christ était ému de compassion pour les foules, pour les personnes en face de lui. Jesus Christ was full of compassion for the crowd, the people before him. Et donc Jésus-Christ, c'est sa compassion qui a libéré la puissance de la guérison dans la vie de la belle-mère de Pierre. And so it is Jesus Christ's compassion that released the power of healing into the life of Peter's mother-in-law. Jésus-Christ n'a pas fait une prière de 10 minutes. Jesus Christ did not make a 10-minute prayer. Il n'a pas commencé à chasser les démons. He did not start to cast away demons. Il n'a pas commencé à faire des déclarations. He did not start to make declarations. Il n'a pas commencé à chasser la fièvre. He did not start to cast away the fever. À commander à la fièvre de quitter. To command the fever to leave. Il a juste touché. He just touched. Il a juste touché. He just touched. Il a laissé sa compassion. He let his compassion. Être la connexion entre lui et la personne malade. Be the connection between him and the sick person. Et la belle-mère pouvait sentir combien Jésus-Christ l'aimait. And the mother-in-law could feel how much Jesus Christ loved her. Combien Jésus-Christ l'appréciait. How much Jesus Christ appreciated her. Et j'aimerais nous dire une chose ici.
And I want to tell us one thing here. Jésus-Christ n'aimait pas seulement Pierre. Jesus Christ did not only love Peter. Il a aimé aussi la famille de Pierre. He also loved Peter's family. Sinon, il ne viendrait pas à la maison de Pierre. Or else he would have come to Peter's home. Jésus-Christ, quand il est rentré chez Pierre, il n'a pas passé le moment de qualité avec Pierre. Jesus Christ, when he went to Peter's home, he did not just spend quality time with Peter. Et ce que la Bible nous dit par rapport à la visite de Jésus-Christ chez Pierre, c'est qu'il a vraiment passé un temps remarquable avec la belle-mère de Pierre. What the Bible tells us about Jesus Christ's visit to Peter's home is that he spent good time with Peter's mother-in-law. Ouais, Jésus-Christ n'est pas seulement intéressé à toi. Jesus Christ is not only interested in you, mais ta famille aussi l'intéresse. But your entire family interests them as well. Ton frère, ta sœur l'intéresse. Your brother, your sister interest them. Tes enfants l'intéressent. Your children interest them. Tes parents l'intéressent. Your parents interest them. Ton mari, ta femme l'intéresse. Your husband, your wife interest them. Voilà pourquoi Paul pouvait dire ceci. That's why Paul could say this. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, if you believe in the Lord Jesus Christ, tu seras sauvé. You shall be saved. Toi et ta famille. You and your family. Jésus-Christ ne veut pas seulement te sauver toi. Jesus Christ doesn't want to only save you. Mais il veut aussi faire du bien aussi à ta famille, sauver aussi ta famille. But he wants to do good to your entire family as well. Jésus-Christ ne veut pas seulement te faire toi du bien. He doesn't want to just do good to you. Mais il veut aussi faire du bien à tous ceux qui te sont chers. But he also wants to do good to all those that are precious to you. J'aime mon Dieu pour ça. And I love my God for that. Et voilà comment est-ce que Jésus-Christ va montrer son intérêt pour la famille de Pierre. And this is how Jesus Christ will show his interest for Peter's family. Pour la maison de Pierre. For the house of Peter. Vous savez, Jésus-Christ n'était pas intéressé à savoir si la maison de Pierre avait de bons fauteuils ou il y avait des meubles propres. You see, Jesus Christ did not care for if Peter's home had nice couches or nice furniture. Quand Jésus-Christ est rentré dans la maison de Pierre, il n'a pas cherché à savoir s'il y avait l'électricité ou pas. When Jesus Christ went into Peter's home, he did not want to know if there was electricity or not. Quand Jésus-Christ est rentré dans la maison de Pierre, il n'a pas cherché à savoir s'il y avait l'eau qui coulait quand il pleuvait du toit ou si c'était pas bien isolé sa maison. He did not want to know if Peter's home water flowed Peter's home if it was raining or if the roof had. Quand Jésus-Christ est rentré dans la maison de Pierre, but when Jesus Christ went into Peter's home, la première chose qu'il a constaté, qu'il a vu, the first thing he saw, c'était la belle-mère de Pierre. Was Peter's mother-in-law. Jésus-Christ s'intéresse à l'âme. Jesus Christ cares for the soul. Jésus-Christ s'intéresse aux gens. Jesus Christ cares for people. Vous savez, parfois nous passons notre temps à pouvoir nous préoccuper du confort matériel, nous préoccuper du lieu, des bâtiments ou d'avoir une église bien propre. You know, sometimes we care too much about having physical, material luxury, about having a well church building. Avant de pouvoir voir, recevoir Jésus-Christ et le servir. Before we can receive Jesus Christ and serve him. On veut que tout soit propre et que tout soit en place. C'est bien. We want for everything to be clean and in order, and that is. Mais nous devons savoir qu'il y a quelque chose qui est plus important que ça. C'est l'âme. But there is something that is more important than that, and that is the soul. Église de Dieu, nous devons nous soucier beaucoup plus des âmes. We need to care more for souls. Nous devons nous soucier beaucoup plus des personnes qui souffrent. We need to care more for people that suffers. Que du confort ou de la présentation du lieu où on peut se retrouver. Instead of the luxury or how good or the place we are appears to be. Et Jésus-Christ, dans la maison de Pierre, la chose qu'il a vue, ce n'est pas la télé de Pierre ou encore la radio de Pierre. And what Jesus Christ saw in Peter's home was not his TV or his radio. C'était sa belle-mère. It was his mother-in-law. Et Jésus-Christ a montré beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection envers elle
en la touchant. C'était la compassion de Jésus-Christ qui parlait en ce moment-là. And Jesus Christ showed much sweetness and affection by touching her. Bien aimé dans le Seigneur, il y a la puissance dans la manifestation de la compassion pour les autres. There is power in the manifestation of compassion towards others. La compassion peut commander à la maladie de partir. Compassion can command the sickness to leave. Jésus-Christ, en montrant juste la compassion, en touchant la main et la belle mère de Pierre, la fièvre a quitté. Jesus Christ, just by showing compassion and touching Peter's mother's hand, he healed her. Et la dernière chose dans cette histoire, and the last thing in that story, que la Bible nous dit, that the Bible tells us, quand la fièvre l'a quitté, when fever left her, parce que la compassion de Jésus-Christ l'a touchée, because the compassion of Jesus Christ touched her, la Bible dit ceci, the Bible tells us, elle s'éleva et les servit. She stood up and ministered unto them. Oui, la belle-mère s'est levée et l'a commencé à servir. The mother-in-law stood up and started to serve them. Bien-aimée, vous savez pourquoi cette belle-mère de Pierre était maintenant active? Elle était maintenant en train de œuvrer, de servir. Do you know why Peter's mother was now active? She was not now serving. C'était à cause de la compassion qu'elle a eu à recevoir de la part de Jésus. Because of the compassion she received from Jesus. Et son service était une expression de reconnaissance que la compassion de Jésus-Christ l'a visité ce jour-là et ne s'est pas arrêté seulement à rentrer dans sa maison, mais aussi à la toucher et à la guérir complètement. And her service was a show of gratitude for Jesus Christ's compassion, that he not just come to the home, but it went to her side to heal her. La belle-mère n'a pas seulement servi Jésus. She did not just serve Jesus. Elle a servi tous ceux qui étaient venus avec Jésus. She served everyone that came with Jesus. Alors, bien-aimé, je ne peux même pas imaginer combien Jésus-Christ a fait avec lui. And I cannot even imagine how many people Jesus Christ had with them. On sait très bien que Jésus-Christ ne se déplaçait pas seul. Okay. We know that Jesus Christ was never traveling alone. Au moins, il y a les 12 disciples avec lui. There are at least the 12 disciples with him. Alors, sans compter peut-être la foule parfois qui l'accompagnait. And sometimes there's even the crowd going with them. Alors, imaginez cette belle mère de Pierre qui va se mettre à servir Jésus, les disciples, et peut-être la foule qui était avec lui. So now imagine Peter's mother-in-law that started to serve Jesus, his disciples, and maybe the crowd that was there. Et le service ici, c'est vraiment vaste. On peut imaginer beaucoup de choses. And the service here is a wide thing. We could imagine a lot of things. Elle a donné un verre d'eau. She gave her a glass of water. Elle a donné peut-être à manger. Maybe she gave to eat as well. Elle les a servis peut-être ceux qui... Les disciples qui avaient les pieds sales, elle a veillé à ce que leurs pieds soient nettoyés, lavés. C'est comme ça qu'on recevait parfois les invités au Moyen-Orient. Maybe she also washed the feet of those that had the feet dirty. This is how you received your guests in the Middle East. Vous voyez, quand vous accueillez quelqu'un au Moyen-Orient, à cette époque, les gens se déplaçaient en sandales et parfois leurs pieds étaient couverts de poussière. You see, in the Middle East, back in that time, when you receive someone, maybe their feet were dirty because they walked in sandals. Et donc, quand vous recevez quelqu'un chez vous, vous veillez à ce que ses pieds soient lavés. So when you receive someone, you wash their feet. Aujourd'hui, dans certaines parties de l'Orient, lorsque vous rentrez dans une maison, vous laissez vos chaussures dehors, ok? Nowadays, in some part of the East, when you enter someone's home, you leave your shoes. Donc on suppose que avec vos chaussures, vous traînez avec vous beaucoup d'impuretés, beaucoup de saletés, et pour éviter de pouvoir souiller ou salir la maison, on laisse les chaussures à l'entrée. Because to avoid bringing dirt, the dirt that you have on your shoes to the home, you leave them at the entrance. Mais vous savez, à cette époque-là, les gens allaient plus loin. C'est pas seulement laisser ses chaussures dehors, mais vous devez vous occuper à ce que les pieds
de l'inviter, la personne qui vient chez vous soit nettoyée et propre. But back then it was much more than that. When someone would come to your home, you would make sure that their feet was clean. Et bien aimé, c'était ce que les invités faisaient. This is what they were doing to guests. Vous vous souvenez lorsque peut-être qu'on verra cette histoire-là lorsqu'on arrivera dans l'évangile de Luc. Jésus-Christ, quand il est rentré chez un certain pharisien qu'il avait invité. Maybe we see the story in the book of Luke, but Jesus Christ, when he went into the home of a Pharisee that invited him, ce pharisien n'a pas veillé à honorer Jésus-Christ comme ça se faisait dans la coutume ou la tradition habituelle. These Pharisees did not honor Jesus in the way they should, in the way people do. Et pendant qu'ils étaient à table, il y a une femme qui va venir par derrière et elle va mouiller les pieds de Jésus-Christ avec ses larmes et elle va les essuyer avec ses cheveux et elle va parfumer ses pieds. And so, what had happened? A certain woman came behind Jesus, washed his feet with her tears and with her hair, and then she perfumed them. Et les gens qui étaient à table commençaient à murmurer et à dire que Jésus-Christ, comment il peut permettre ce que cette femme nettoie ses pieds avec les larmes et essuie ses pieds avec ses cheveux, s'il savait quel genre de vie cette femme menait. And so people started to whisper, saying, how could Jesus Christ let this woman wash his feet with her tears and then dry them with her hair if she knew what kind of life she was? Il a dit à son hôte, toi tu m'as invité chez toi, tu ne m'as pas nettoyé les pieds, tu n'as pas essuyé mes pieds, mais regarde cette femme, elle a nettoyé mes pieds, au lieu d'utiliser l'eau, elle a utilisé ses larmes, au lieu d'utiliser une serviette, elle a utilisé ses cheveux pour essuyer mes pieds. But Jesus Christ said to his host, you didn't wash my feet when you invited me, but she did, with her tears instead of water, and with her hair instead of her clothes. Et vous comprenez très bien que le mot service ici peut inclure également cela. And so you understand that the word service here could include this. Parce que les gens qui nettoyaient les pieds, c'était un travail d'esclave, de serviteur, en fait. Because people that wash other people's feet, it was a slave's work. Et Jésus-Christ lui-même, dans Jean 13, il a nettoyé les pieds de ses disciples. And Jesus Christ himself, in John 13, he washed the feet of his disciples. En d'autres termes, il a servi ses disciples. In other words, he served his disciples. Vous voyez, servir Jésus-Christ, you see, to serve Jesus Christ, ce n'est pas être seulement à la chair. It's not just to be at the flesh. Comme je suis en train de le faire maintenant, en train de prêcher ou enseigner. As I'm doing right now, as I'm preaching. Servir Jésus-Christ, c'est que la belle-mère de Pierre a fait, c'était un travail souvent que les esclaves faisaient. To serve Jesus Christ, it was a work that, just like the mother-in-law did, a slave work. A work of Et d'ailleurs, Paul, quand il utilise le mot serviteur, il utilise un mot fort en grec qui est doulos. And Paul, when he used the word servant, he used a strong word in Greek, doulos. Doulos veut dire esclave. It means slave. Quand Paul dit que je suis esclave de Jésus-Christ, c'est vraiment plus profond que lorsqu'il dit je suis serviteur de Jésus. When Paul says that he is a slave to Jesus Christ, it's much more deeper than when he says that. Dans nos versions en français, on a traduit par cela serviteur de Christ. In the French version, it is translated as servant of Christ. C'est lui qui sert Christ. He that serves Christ. Mais en grec, c'est doulos. But in Greek, it is doulos. Doulos, esclave. Slave. Esclave de Jésus. Slave of Jesus. Esclave de la justice. Slave of righteousness. C'est ça le serviteur. This is the servant. Et cette femme a servi pas seulement Jésus, mais tous ceux qui étaient avec Jésus. And that woman served not only Jesus, but everyone that was with him. Bien-aimé dans le Seigneur. My beloved in the Pourquoi Lord. Nous ne voyons pas dans nos églises les gens servir? Why do you not see in our church people serve? Pourquoi nous voyons des gens assis, paralysés, ne faisant rien dans l'église? Why do we see people sitting, doing nothing in a church? On doit se poser la question, est-ce qu'ils ont été touchés par la compassion? We need to ask ourselves, were they touched by compassion? Parce que quelqu'un qui est touché par la compassion, because someone that is touched by compassion, va sortir de l'inactivité, we'll go out of inactivity, va sortir, va être libéré de l'immobilisation,
be free from immobilization. Et va faire quelque chose. And we'll do and we'll do something for Jesus. Il va faire quelque chose pour Jésus. You'll do something for Jesus. Il va faire quelque chose pour Jésus, pas juste pour attirer les regards. You'll do something for Jesus, not just to attract people's gaze. Il va pas faire des choses pour Jésus-Christ pour se faire un nom. You'll not just do things for Jesus Christ just to make a name for himself. Il va faire quelque chose pour Jésus sur base de la reconnaissance et de la gratitude de se toucher de la part de Jésus. They'll do something for Jesus in gratitude of Jesus touching them. Il va faire cela en réponse à cette expression de compassion, d'amour et d'attention que Jésus-Christ avait porté sur elle. They'll do that to repay the compassion Jesus Christ had over them. Amen. Amen. Que Dieu nous apprenne à pouvoir les servir. May God teach us to serve him. Mais pour être vraiment des serviteurs de Dieu. But to truly be servants of God. Tel que Dieu le désire et le veut. In the way God sees it and wants it. Nous devons permettre à ce que sa compassion nous touche. We must let his compassion touch us. Nous devons nous laisser toucher par Jésus. We need to let ourselves be touched by Jesus' compassion. Nous devons lui permettre de nous toucher. We need to allow him to touch us. Est-ce que Jésus-Christ t'a déjà touché? Did Jesus Christ already touch you? Ou est-ce que tu lui as permis de te toucher? Or did you allow him to touch you? Bien-aimé, si Jésus-Christ te touche, my beloved, if Jesus Christ touches you, tu ne seras plus la même personne. You will not be the same person. La belle-mère de Pierre n'était plus celle qu'il a vue en entrant. Peter's mother-in-law was not the same person that he saw when he entered. La belle-mère de Pierre que nous voyons après le toucher de Jésus. Peter's mother-in-law that we see after being touched by Jesus était une personne qui était active, hyper active. Was someone that was active, an active person. C'était une personne impliquée qui commençait à servir. It was a person that started to serve. Sans se poser des questions. Without asking questions. Sans chercher à se faire un nom ou à attirer les regards. Without trying to make a name for herself. Elle l'a fait par amour à cause de cette compassion que Jésus-Christ lui a manifestée. She did it by love thanks to the compassion Jesus Christ showed her. Seigneur, merci parce que toi tu nous aimes réellement. Lord, thank you because you love us truly. Merci parce que toi tu vois. Thank you because you see. Mais le problème c'est que nous ne te laissons pas toujours nous toucher. But the problem is that we don't always let you touch us. Lorsque toi tu nous vois, Seigneur, when you see us, Lord, dans notre misère, in our misery, dans nos difficultés, nos souffrances, in our difficulties and suffering, parfois nous ne te permettons pas de venir nous toucher. Sometimes we do not let you touch us. À cause de notre fierté, à cause de notre orgueil, because of our pride, à cause peut-être de notre impréparation. Because of our lack of preparation, nous attendons à ce que tout soit en place, que tout soit en ordre, que la maison soit vraiment bien propre pour te laisser venir, entrer et nous toucher. We want for everything to be in order, for the house to be clean before you come and touch us. Seigneur, toi tu n'as pas besoin de tout ça. But Lord, you don't need all that. Tu n'as pas besoin que tout soit bien en place et propre pour venir nous toucher. You don't need for everything to be in order and clean to touch us. Tout ce que tu attends de nous, all you wait from us, c'est de nous ouvrir à toi. Is that we open ourselves to you. À recevoir ton amour. That we receive your love. À recevoir ta compassion. That we receive your compassion. À être touché par toi. To be touched by you. Et une personne touchée par toi. And a person touched by you. Te sert. Serves you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us all. Et on se retrouve mercredi prochain. And we'll see each other next Wednesday. Amen.